Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je te présente mon nouvel accessoire photographique, un Fiat Ducato de 2002. On commence. Alors n'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/ericgibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Et si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Alors là, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je le présente comme accessoire photographique parce qu'en fait, je vais l'utiliser pour mes déplacements, pour me loger quand j'en ai besoin, pour pouvoir y travailler, un peu de tout. Et donc, je profiterai de ma chaîne YouTube pour partager aussi ce que je fais, aussi bien au niveau des séances photos. Mes déplacements et tout ça, et puis aussi expliquer l'évolution du camion, le fourgon, comment ça s'appelle, pendant que je le prépare, quoi. Alors, je vais te faire une petite visite du propriétaire, rapide. Alors, attention, ce que je vais vérifier. Alors, voilà. Ok. Alors, tu vois, pour l'instant, il est tout vide. Alors, je vérifie. Attends, je cale la porte. Là, je vérifie si je sur mon écran si tu vois bien l'intérieur. Ok. Alors, tu vois, il est encore tout vide. Et je vais l'équiper donc avec lit, toilette, douche et un petit espace de travail. Alors c'est pas très grand. Il y avait des versions plus grandes, mais j'ai choisi ça pour pouvoir me garer en ville sans avoir de problème. Parce que si c'est des versions beaucoup plus grandes, c'est compliqué quoi. Ah oui, évidemment, j'oubliais un petit coin cuisine aussi, ben, un micro coin cuisine, évident, avec un frigo, un petit évier, un petit réchaud. Voilà, c'est indispensable. Alors le boulot va commencer aujourd'hui. Hein. Parce que là, je t'emmène dans le garage. Là, aujourd'hui, le boulot, ça va être de teindre toutes les lattes de bois, les lambris que j'ai achetés pour le décorer. J'ai aussi dans un autre coin tout le matériel d'isolation, parce qu'il faut l'isoler contre le froid et le chaud. Et donc, j'expliquerai au fur et à mesure. Voilà, eh bien, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle aventure. Et puis j'espère que ça te plaira. Je continuerai à axer sur la photographie évidemment, mais je vais parler, comme ma manière, je parle du matériel. Je sais que beaucoup de photographes ont envie, surtout les paysagistes, ont envie d'avoir un camion pour pouvoir se déplacer, un fourgon, se déplacer, l'équiper. Hein. Donc je te raconterai un petit peu tout ça. Donc n'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/ericgibaud, mon site web ericgibaud.com/fr. Si tu as une quelconque question, tu peux envoyer un email à info@ericgibaud.com. Et aussi, n'oublie pas mon Facebook, facebook.com/ericgibaudphoto, mon Instagram, Gibaud, mon Twitter, Eric Gibaud, mon Google+, Eric Gibaud. Voilà, je crois que c'est tout. À très bientôt.